Merci, bonjour à tous. Alors, je vais me présenter vite fait. Moi, je suis Romain Lefebvre, j'ai une agence de conseil en communication et relations publiques et on développe une activité depuis maintenant 2 ans de gestion de crise et de négociation, voilà, pour nos clients. Dans le cadre du MEDEF, je suis administrateur depuis, je ne sais pas, depuis un deuxième mandat et je suis président du club TPE. Peut-être avant de donner la parole à Didier, ce que je propose, c'est juste d'introduire Didier. Ce qui a été une demande importante du MEDEF, c'est que il y a une stratégie qui a été posée dernièrement, que vous allez découvrir à travers Didier. C'était important de voir comment le club TPE pouvait s'engager là-dedans, comment on pouvait accompagner le MEDEF par des actions, peut-être par des choses très concrètes qu'on pourrait mettre en place. Donc voilà, j'avais envie qu'on brainstorme un petit peu tous ensemble, sachant qu'il y aura une présentation qui sera faite au conseil d'administration la semaine prochaine. Donc voilà, je suis preneur de quelques idées et moi, je vous partagerai un peu les idées que j'avais eues. Et Didier, je sais que tu vas nous parler du projet. Peut-être, je ne sais pas si tu veux nous faire un point d'actu. On fait toujours un petit point d'actu habituellement. Je ne sais pas si tu veux nous faire un point pour 5 minutes, mais je ne sais pas si tu peux tenir 5 minutes en ce moment. Très, très, très rapidement, effectivement, parce qu'on va consacrer la séquence à ce projet de Vive la Réunion. Donc, Didier Fauchard, moi, je dirige une société aujourd'hui qui est spécialisée dans les chefs de gestion et donc président du MEDEF depuis maintenant 5 ans, quoi, en fait. Et heureux de vous voir en ligne et encore plus heureux de vous retrouver bientôt en visu dès lors que cette crise de coronavirus sera derrière nous. Sur les points d'actualité, vous avez suivi, je pense, les différents flashs. On a eu un certain nombre de sujets à traiter extrêmement prégnants au travers, en particulier, je vais aborder simplement deux sujets importants ce soir, l'inspection du travail qui a mené un certain nombre de contrôles sur le télétravail, avec effectivement aujourd'hui une position extrêmement mitigée. Demain, d'ailleurs, nous avons une commission sociale, donc n'hésitez pas à vous connecter sur cette commission sociale, puisque vous aurez un avocat qui est aussi adhérent du MEDEF, qui s'appelle donc Olivier Bach, qui parlera du contrôle de l'inspection du travail, avec, je disais, donc un télétravail aujourd'hui avec une position de l'État extrêmement ambiguë, puisque l'État aujourd'hui n'a pas la possibilité ni la capacité juridique de se mêler de nos affaires, et en particulier d'organiser notre business, et tout particulièrement, est-ce on doit mettre telle ou telle personne en télétravail. Alors, la position est extrêmement ambiguë parce qu'en fait, Elisabeth Borne, dans son discours, s'appuie en permanence sur un article du Code du travail qui, lui, par contre, oblige le chef d'entreprise à mener toute action de manière à sauvegarder et à préserver la santé au travail de ses salariés. Alors, vous voyez, c'est une position extrêmement ambiguë et Elisabeth Borne, dans ses différentes interventions, rend le travail obligatoire, ce qui n'est pas aujourd'hui réellement obligatoire, c'est-à-dire que la note de la Direction générale du travail sur le sujet n'est pas opposable juridiquement. On a fait donc tout un flash là-dessus. Je vous encourage à le relire parce que justement, on essaie d'éclairer en permanence la décision que vous devrez prendre sur le télétravail. Le deuxième point sur lequel on est intervenu de manière extrêmement importante, je le disais tout à l'heure en discussion rapide avec quelques adhérents qui étaient déjà connectés. L'année 2021, si on suit un petit peu la logique de ce qui s'est passé en 2020, dès lors qu'on aura un taux d'incidence et une tension sur les services de réanimation amènera le préfet, en fait, systématiquement, pratiquement maintenant, à prendre des mesures de coercition et de restriction de circulation, au travers du couvre-feu, mais aussi des fermetures administratives de certains commerces. Et puis, on espère bien, on le verra dans les semaines à venir, dès lors que ce taux d'incidence va redescendre. Alors, après avoir discuté avec vous, ça vraisemblablement en dessous de 100, quoi, en fait. Aujourd'hui, on est sur un taux d'incidence à 117. On réouvrira à ce moment-là les commerces et peut-être même lever le couvre-feu. Mais vous imaginez bien que si ça repart à la hausse, on rejouera en fait le même scénario en permanence. Donc, avoir en permanence des stop and go, c'est extrêmement épuisant psychologiquement et ne nous permet pas d'envisager d'un œil serein dans notre avenir. Donc, nous sommes mobilisés avec Intermétra. Donc, vous savez aujourd'hui que c'est le principal service de santé au travail à La Réunion, justement pour encourager et surtout promouvoir, informer nos salariés qu'il existe un outil qui nous permettrait de sortir par le haut de cette crise, qui est la vaccination. Alors, on a beaucoup parlé dans les journaux, les doses de vaccins, mais on espère bien que c'est quelque chose qui va aujourd'hui se régler au fur et à mesure. Et au MEDEF, nous restons effectivement complètement persuadés aujourd'hui que si nous voulons retrouver une vie, je dirais entre guillemets, normale,
il nous faut atteindre ce seuil d'immunité. Ce seuil d'immunité collective ne sera atteint que grâce à la vaccination. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes mobilisés avec les services de santé au travail pour rajouter de la possibilité de vaccination aujourd'hui pour nos collaborateurs. Et la deuxième demande que nous avons adressée au préfet, puisque en métropole aujourd'hui, les services de santé au travail fonctionnent déjà sur un certain nombre de points de vaccination, mais réservés à des salariés de plus de 50 ans avec des facteurs de comorbidité, c'est de descendre ce seuil à 45 ans pour accélérer le mouvement. Il faut aller très, très vite. C'est vraiment une course contre la montre avec effectivement le bon espoir que dès lors que nous aurons atteint ce seuil d'immunité collective, on commencera à retrouver une vie un peu plus, pour reprendre le terme de Michel Grenier tout à l'heure, un peu plus rigolote, quoi, puisqu'il disait que désormais, nous nous régulions très peu dans notre vie. Voilà les deux grands sujets sur lesquels je voulais insister, Romain, sur cette actualité aujourd'hui du MEDEF. Merci Didier. Bah, écoute, je te laisse du coup nous peut-être nous faire une première présentation, ce que tu veux nous partager sur le projet Vive la Réunion, et puis après, on essaiera de chacun pouvoir donner enfin, en tout cas faire des retours ou voir comment on pourrait s'engager. Voilà, je vous invite à écouter ce projet-là sous l'œil de l'action. C'est-à-dire que l'idée, c'est que le MEDEF a écrit ce projet avec un certain nombre de personnes et comment nous, demain, TPE, on peut s'y engager, comment nous, on aura envie de travailler et comment peut-être le club TPE pourrait engager des choses. Voilà. Donc Didier, let's go. Merci Romain. Je m'appuie sur la présentation qui a été faite à l'Assemblée générale du 26 novembre dernier. C'est Audrey Poletti qui a la main sur les slides. Il y a à peu près une vingtaine de slides. Donc, une présentation qui devrait durer entre 25 et 35 minutes à peu près. Alors, pour faire rapidement la genèse aujourd'hui de ce projet Vive la Réunion, en octobre 2019, le conseil d'administration a acté la création d'un think tank que nous avons appelé Croissance et Territoire. La mission du think tank était de s'auto-saisir ou, sur la demande du conseil ou d'autres adhérents, de saisir de tous les sujets qu'il estimait nécessaires aujourd'hui pour projeter la Réunion dans ce 21e siècle. Le premier sujet sur lequel il s'est emparé, c'est de se dire bah, finalement, en 2020, on était en 2019, si on regarde un petit peu devant nous, chacun de nous, quelle peut être sa vision de notre territoire à La Réunion en 2040. Et donc, de porter notre regard suffisamment loin pour permettre un certain nombre d'outils de pouvoir se déployer, un certain nombre d'idées de pouvoir se déployer, de pouvoir surtout les mesurer, les évaluer et les corriger. Parallèlement à ça, le même document a eu aussi pour objectif, à un moment donné, de proposer des mesures nécessaires à notre territoire économique en particulier, dans le cadre des régionales. Bon, on a vu que les régionales, effectivement, ont été un petit peu bousculées. Puis, le deuxième rendez-vous que nous allons avoir dans les mois à venir, c'est l'élection présidentielle. Donc, il s'agissait, la mission de ce think tank, c'était vraiment d'élaborer un document stratégique assez court pour être très rapidement lisible et compréhensible, surtout par l'ensemble des lecteurs. Alors, comment on s'y est pris? On a estimé que, au-delà des ateliers que nous pouvions organiser avec beaucoup de matières premières qu'ils allaient fournir, il nous fallait à un moment donné quelqu'un qui puisse établir la synthèse, reprendre les éléments, reprendre les idées qui ont été émises, les structurer au travers des objectifs qui avaient été fixés aussi clairement que sur ce dossier. Et c'est la raison pour laquelle nous avons fait appel à Paul Hibon, beaucoup d'entre vous le connaissent, avec cette mission justement de structurer les idées qui émanaient des adhérents du MEDEF. Donc pour cela, en fait, on a fait un certain nombre d'ateliers avec des groupes de travail de 20-30 personnes, trois rencontres. Pour ceux qui sont passés au MEDEF à la mare, on était encore à la mare à cette époque-là, certains ont pu voir la salle du conseil d'administration avec énormément de post-it, où chaque post-it était rempli d'une idée sur les différents thèmes qui avaient été abordés. Puis partant de cette matière première, cette matière brute, on a retravaillé en groupe restreint dans le think tank, et ensuite au niveau du bureau du MEDEF, la présentation en conseil d'administration, et la présentation finale lors de l'Assemblée générale du 26 novembre dernier. Quoi, en fait. On continue, Audrey. Le premier constat qui s'est imposé lors de ces ateliers participatifs, ça a été de dire finalement qu'est-ce qui s'est passé sur les 10-20 dernières années à La Réunion
Et le constat a été partagé par l'ensemble des personnes présentes, c'est bah, finalement, depuis 2009, où le dernier projet hein, du BNF Réunion, c'était Réunion-Île-Verte, bah, finalement, il n'y avait pas de stratégie à la Réunion. Alors que parallèlement, la croissance, le développement de la Réunion était en train de se faire et avec des repérages de potentiel extrêmement importants, mais du coup qui n'émergeaient pas et qui ne trouvaient pas leur marché, ni sur le marché intérieur, ni sur le marché extérieur. Là-dessus est venu évidemment au mois de mars 2020 se rajouter la crise sanitaire. L'autre élément qui est ressorti, c'est de se dire ben, on a vécu à La Réunion pendant des siècles sur une forme d'autarcie. Or, nous faisons partie non seulement d'un territoire national qu'est la France, mais aussi d'un territoire européen, mais plus globalement du monde. Et au niveau du monde, il y a un certain nombre d'évolutions qui nous impactent directement, puisque l'autarcie qui pouvait exister dans les années 30, en fait, avait complètement disparu, ne serait-ce qu'avec les liaisons maritimes et aériennes, et plus récemment avec les liaisons numériques. Et l'autre point important qui a été souligné dans ces groupes de travail, c'est que l'idée même de l'existence de l'entreprise, qui était finalement en 2010-2012 assez peu connue, a fini par émerger comme étant un acteur incontournable du développement social et sociétal d'un territoire. Rappelez-vous, en 2012, François Hollande arrive à la présidence de la République. Les entreprises, on ne sait pas de quoi on parle. Et puis maintenant, avec la crise sanitaire, avec les différentes évolutions, on voit bien que tout le monde part de l'entreprise, souvent en ne sachant pas trop quoi mettre derrière. Et là, je ne vise personne, mais beaucoup aujourd'hui de nos concitoyens ignorent encore les mécanismes qui président non seulement à la création, mais à la vie de l'entreprise. Mais quand même, on voit une évolution aujourd'hui chez nos concitoyens de l'entreprise, c'est quand même une source à un moment donné extrêmement importante pour le développement de notre territoire. Voilà, donc ça c'est un petit peu le passé et voir comment à partir de ce passé, comment on allait pouvoir agir. Alors quand je dis qu'on était en panne de stratégie, ça veut dire que je ne veux pas dire qu'il n'y avait pas de projet, mais il y avait des projets qui étaient un peu mis sur la table mais qui n'avaient jamais été mis en œuvre jusqu'au bout, avec en particulier un suivi précis du projet et puis quelque chose auquel nous sommes attachés en entreprise, hein, c'est l'évaluation rigoureuse de ces projets. Et dans le même temps, ces projets, en fait, quand on disait ben, finalement, ils ne sont pas allés au bout, on a du mal à les évaluer, ce qu'on a pu constater, c'est que, en fait, on ne savait pas où on voulait aller. On avait des projets, mais on ne savait pas dans quel cadre les insérer pour qu'il y ait une cohérence et surtout, justement, fabriquer une vision à un moment donné de ce que pouvait être notre territoire. L'organisation, enfin, tout le monde s'accorde à dire aujourd'hui que le nombre d'institutions qui peuvent exister autour des projets de développement économique, il y en a à peu près de partout. Donc, comment faire communiquer ces institutions, comment s'organiser pour que surtout nous soyons efficaces. Et puis, le dernier point dans un projet qui est l'action, là aussi, des actions ont été mises en œuvre, mais pas du tout évaluées, pas du tout suivies, en fait. Et là-dessus est venu se rajouter quelque chose qu'on connaît bien en France. Notre technocratie adore, c'est la superposition de dispositifs. On peut avoir un plan régional, un plan national, un plan européen, etc., etc. En infrarégional, vous avez le plan aujourd'hui de développement des différents EPCI qui peuvent exister. Donc tout le monde, effectivement, à ce moment-là, s'est mis d'accord en disant il faut absolument que les think tanks, dans ce document de stratégie, permettent de faire émerger un projet socio-éco et aussi environnemental, parce que ça, c'est une nouveauté fondamentale aussi qui est apparue dans les 20 dernières années. L'environnement est un élément extrêmement important dans notre développement. Et puis, il fallait allier finalement des atouts que nous avions naturellement, que sont l'innovation, l'excellence, et puis tenter de proposer des solutions pour résoudre un problème qui est extrêmement prégnant à La Réunion, qui est le chômage de masse. Donc aujourd'hui, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que, bon, quand même, on va changer de diapo, Audrey. Voilà. Le principal pilote aujourd'hui économique, c'est La Réunion. Toutes les lois de... Je suis désolée, Monsieur le Président, je vous coupe, mais il y a eu un trait rouge avec une intonation qui s'est faite. Vous la voyez tous? Oui, tout à fait. C'est très joli d'ailleurs, finalement. Ah oui, Mais mais attends, c'est l'écran. C'est je l'écran. suis désolée, il y a eu une annotation qui s'est mise et je n'arrive pas à la retirer. C'est quelqu'un qui a pris la main sans le faire exprès et qui a mis un coup de crayon. Ah, c'est sur le zoom. Mais du coup, je ne sais pas le retirer. Alors, j'essaye de retirer, Sur le d'effacer. comment? Désolée, hein, parce que sinon, ça va rester tout le temps. Donne un style. Ah, voilà, pardon, excusez-moi, je vous laisse la parole.
Ah ben voilà. Donc on s'est dit quand même, dans un projet économique, toutes les lois de décentralisation, au fur et à mesure qu'elles sont arrivées, que ce soit celle de 1980 jusqu'aux dernières en 2015, ont mis la région au cœur, en fait, du développement économique d'un territoire. Et l'enjeu de la région, en permanence, c'est d'impliquer l'ensemble des acteurs du territoire, à la fois, effectivement, pour avoir une vision partagée, une vision qui soit cette fois-ci déclinée, et je le disais tout à l'heure, dans une organisation qui, cette fois-ci, devrait être cohérente, et surtout des actions qui soient perceptibles et qui donnent du sens à la vision proposée. L'autre enjeu fondamental d'un projet à 2040, c'est que nous gardions le cap et que nous remobilisions en permanence sur le projet, parce qu'on le connaît bien en entreprise, à chaque fois qu'on fait un projet en entreprise, les collaborateurs sont tous d'accord, et puis vous revenez 3 mois plus tard, vous dites « tiens, c'est bizarre, mais ce n'était pas tout à fait la direction que je voulais prendre si je fais pas gaffe, quoi, en fait. » Et puis, dans ce projet, on l'a dit, la cohérence, et puis que ce projet soit surtout animé de valeurs. Aujourd'hui, on a pu tous constater, c'est de notoriété publique, qu'il y a une certaine forme de désaffection des citoyens aujourd'hui vis-à-vis de ses représentants, qu'ils soient politiques. Alors, pour l'instant, pas encore en entreprise, parce que je pense qu'on fait un travail conséquent, justement, pour que nous soyons cohérents. Mais c'est un danger qui nous guette si, aujourd'hui, on ne continue pas dans ce sens. Alors, pour qu'un projet fonctionne, il faut effectivement 3 niveaux. D'abord, une stratégie, c'est-à-dire pourquoi on veut faire ça, vers où on veut aller. Il faut une organisation, c'est comment on va s'y prendre, comment on va se planifier, quelles sont les méthodes qu'on va utiliser, quels sont les outils qu'on va mettre en œuvre, avec quel organigramme, comment on va évaluer. Et puis, le troisième volet, c'est l'opérationnel, de déterminer un catalogue d'activités et d'actions sur lesquels, effectivement, on pourra mettre ensuite des indicateurs. Alors, ce projet, on l'a intitulé « Vive la Réunion », pourquoi, en fait ? Les 3 grands piliers de ce projet reposent d'abord, un, sur le fait que la Réunion doit continuer à être verte, que nous devons modifier aujourd'hui nos activités pour tenir compte de ce verdissement de l'économie et surtout de notre environnement. Elle doit être innovante parce que ça fait partie des aptitudes fondamentales de tous ceux qui aujourd'hui habitent sur ce territoire. On est suffisamment éloigné des grandes centres de décision, on n'a pas obligatoirement tout sous la main, donc on est capable de trouver des solutions très, très originales en permanence, et l'histoire de la Réunion l'a montré tout au long de ces 300 ans. Nous sommes capables de trouver des solutions face à des problèmes que finalement, personne n'a et qu'on est obligé de regarder tout seul, quoi, en fait. Et puis le troisième pilier, et ça, je pense que chacun de nous s'y reconnaîtra, d'ailleurs la plupart des touristes qui viennent à la Réunion quand ils sont interrogés sur le sujet, c'est notre vivre ensemble. Cette capacité que nous avons aujourd'hui à respecter l'altérité de chacun d'entre nous, de respecter son culte, de respecter sa culture, et de pouvoir à ce moment-là organiser des groupes où ces sujets ne sont pas des sujets. Parce qu'il est naturel chez nous, pour tous ceux qui habitent à la Réunion aujourd'hui, de dire… On ne s'inquiète pas de savoir si les chrétiens, malbars, musulmans, etc., ou d'une quelconque origine. Et ça, c'est une des très, très grandes forces. Et là, les touristes en témoignent en permanence. Dès lors qu'ils viennent à la Réunion, ils disent « Franchement, il y a un truc que vous savez faire, c'est vivre ensemble. » Et c'est un élément sur lequel on doit s'appuyer. Donc, vous voyez, vive la Réunion verte, innovante, et le vivre ensemble. Alors, comment on peut synthétiser cette vision aujourd'hui à 2040? On l'a résumé dans la phrase que vous avez à l'écran. En 2040, notre Réunion va être reconnue comme une région européenne, tropicale, c'est sa géographie qu'il veut, et surtout attractive. Les gens auront envie de venir, de s'installer, de repartir et éventuellement de revenir. Ça suppose bien entendu une île ouverte au monde, une île qui innove et qui surtout ose, et ça c'est un enjeu fondamental aujourd'hui de la Réunion, de oser en fait nos activités, oser nos pensées. Bien entendu, respectueux de l'environnement et de ses habitants, où bien-être se conjugue avec la technologie, la création d'emplois et de richesses. Voilà. Ça, c'est la mission aujourd'hui de ce projet. Vous l'avez résumé ici au travers de ces dizaines de mots. Alors, pourquoi on a écrit cette vision à partir de la matière brute qui a été fournie par les ateliers participatifs de nos adhérents? Parce qu'à partir du moment en fait, où on a cette vision, on affirme parfaitement notre identité. Alors, vous savez que c'est un sujet aujourd'hui qui est toujours un peu compliqué parce que chacun de nous donne une définition différente et on a pu voir dans la presse un certain nombre de choses sortir. Mais je crois que fondamentalement,
dire qu'être réunionnais, c'est affirmer un certain nombre de valeurs fondamentales auxquelles nous sommes attachés, auxquelles nous croyons. Et surtout, dans cette île qui affirme son identité, elle va mettre ses talents au bénéfice du monde. Il nous faut avoir cette ambition de dire, finalement, la Réunion, isolée dans l'océan Indien, au milieu un peu de nulle part, j'allais dire, nous sommes capables, et aujourd'hui, nous avons déjà des preuves, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada, que ce soit en Europe, qu'il y a aujourd'hui des vrais talents qui existent à la Réunion et qui peuvent effectivement aller dans le monde et porter effectivement nos messages. Donc, si je reprends les trois grands piliers que j'ai cités tout à l'heure, donc verte, donc à son échelle, on a vocation en fait à contribuer au développement durable. On a aujourd'hui une biodiversité qui est absolument extraordinaire. Il y a quelques années de cela, j'avais eu l'occasion, dans un club APM, de rencontrer Idriss Aberkane, qui disait, vous avez à la fois sur la terre et dans la mer une biodiversité qui n'existe nulle part ailleurs. Et je pense qu'on peut être territoire d'expérimentation, justement, sur les solutions à mettre en œuvre pour garder cette biodiversité et donc contribuer au développement durable, avec cette capacité, quand on est territoire d'expérimentation, surtout de partager les expériences réussies et puis moins réussies, parce que ça permettra aux autres effectivement de peut-être d'éviter de faire des bêtises, quoi, en fait. Si vous revenez en arrière, Audrey. Voilà. Le deuxième point, donc innovante, je le disais tout à l'heure, hein, on a cet esprit pionnier, il faut le remettre à l'heure du jour, le remettre au goût du jour, il faut s'appuyer là-dessus. Parce que notre enjeu aujourd'hui, c'est d'exporter des produits et des services et surtout de créer des richesses et de l'emploi. 24% de chômeurs, on ne pourra pas continuer des années comme ça. Il faut absolument qu'on s'occupe de ce problème. Comment à la fois satisfaire notre marché intérieur et extérieur en créant de l'emploi simultanément. Et puis, donc, vivre ensemble. Hein, donc, je parlais tout à l'heure de la multiculturalité, avec des solutions qui soient adaptables surtout ailleurs, parce que quand on regarde l'Afrique qui est juste à côté de nous, qui est en train de faire son développement bien plus vite qu'on pouvait le penser, une classe moyenne aujourd'hui en Afrique qui est estimée à plus de 400 millions de personnes va rencontrer les mêmes difficultés que nous dans notre développement, va avoir en fait un certain nombre de pauvres, mal éduqués, mal insérés. Et je pense que les solutions qu'on aura pu mettre en œuvre nous dans les prochaines années seront alors exportables sur ce territoire africain. Et soyons ambitieux. Je pense qu'aujourd'hui, on a un territoire qui vivant en paix et qu'on peut justement montrer aux autres comment nous, on s'y est pris justement pour accéder à cette paix et surtout la faire perdurer. Alors, je parlais de triptyque tout à l'heure parce que chacun de ces éléments, vert, innovant, vivre ensemble, se répondent mutuellement. En fait. Pourquoi ? Parce que toutes les actions qui vont en découler, on les verra tout à l'heure, vont construire un territoire sain, vont renforcer ce vivre ensemble. Il faut vraiment s'appuyer là-dessus dans l'éducation de nos jeunes et puis surtout s'inscrire dans une logique de biens et de services exportés qui créera de la richesse et de l'emploi. Donc, je le disais tout à l'heure, produire des solutions avec sur un territoire sain où l'on vit bien ensemble et on a envie justement d'exporter ces produits et services à l'international. Alors, 2040, c'est loin. Il nous faut quand même un point d'étape. Alors, on l'a fixé en 2027. Pourquoi ? Parce que, parallèlement avec la région, vous avez en fait les plans opérationnels européens. Vous savez que les plans opérationnels européens ont une durée de validité de 6 ans. Les prochains, donc, c'est 2021-2027, avec 3 grands fonds à la Réunion qui sont pilotés en partie par la région, le département et l'État. Le FEDER, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui permet... aujourd'hui, donc le fonds européen de développement économique régional. Vous avez le FSE qui s'occupe plutôt de l'insertion et de l'éducation, et puis aussi le troisième fonds qui s'occupe de l'agricole. Ah, donc, si ce projet, en fait, on arrive à un moment donné, effectivement, dans sa déclinaison d'organisation, à la mettre dans les roues de ce PEE, en fait, ça nous permettra de plus facilement évaluer nos actions et surtout de les corriger. Et donc, la première étape, c'est de se dire, effectivement, sur ce territoire, chacun de nous doit avoir sa place. Il est acteur, à un moment donné, de sa vie. Et on a surtout construit une économie qui résiste au choc et qui s'ouvre sur le monde. J'ai toujours en exemple ce club de foot, hein, la Saint-Pierroise, qui en 1987, la première fois qu'il accède en fait au 32e de finale d'une Coupe de France de football, mais se prend une raclée, je crois, de mémoire, c'était 12-0, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, nos équipes réunionnaises, en fait,
mérite d'être en 16e de finale. Voyons, on a beaucoup appris. Et c'est bien l'ouverture sur le monde, la confrontation au monde qui nous a permis, à un moment donné, de pouvoir progresser. Mais il y a un certain nombre de conditions à réunir pour ça. Alors, sur deux grands acteurs, d'abord le monde, la puissance publique, c'est cette la puissance publique qui doit porter cette ambition et la décliner. Surtout s'assurer, parce que sinon aucun projet n'aura de valeur si on est en permanence assujetti à une alternance politique qui modifie les caps en permanence. Et puis, je reprends l'expression de Maurice Cérizola, se rassembler sur ce territoire, surtout jouer collectif, de manière à ce que les intérêts de chacun soient préservés dans un intérêt à la fois général. Et puis nous, monde économique, là aussi, on a un énorme encore travail à faire. Se préparer à s'internationaliser. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de structures qui s'occupent de l'export, mais on est encore très, très loin de ce qui peut se faire, ne serait-ce que sur nos voisins mauriciens à côté. Donc, on a un vrai apprentissage là-dessus. Il faut se mettre ensemble pour apprendre à gérer l'international, trouver de nouvelles voies de développement au travers de nouveaux produits, de nouveaux services exportables, et puis surtout mutualiser les ressources. Et on le voit bien déjà aujourd'hui sur un certain nombre de secteurs. Je pense en particulier au secteur de la logistique, où le manque de foncier a amené beaucoup d'entreprises à mutualiser leur logistique au travers d'entrepôts importants dans le sud, de manière à préserver justement notre territoire. Je disais tout à l'heure, on ne peut pas avoir de projet, on ne peut pas s'organiser si nous ne partageons pas ensemble un certain nombre de valeurs. Les valeurs qui ont émergé de ce projet sont d'abord le pluralisme. Je pense que ça, c'est fondamental, à La Réunion, de pouvoir valoriser justement la diversité que nous pouvons avoir et les différences que nous pouvons avoir entre nous. La responsabilité, dans le sens, nous devons tenir nos engagements. C'est un point important. Il ne peut pas y avoir de développement sans qu'on ait des engagements qui soient tenus. L'international, agir et penser monde. Aujourd'hui, on commence à avoir un certain nombre d'entreprises qui, quand elles se créent, pensent évidemment au marché intérieur de La Réunion, mais pensent immédiatement au monde. J'en ai pour exemple le monde numérique. Il est inimaginable aujourd'hui qu'une start-up qui naît à La Réunion se contente uniquement de son marché intérieur. Il ne peut en fait qu'envisager son avenir que dans le monde. La solidarité, parce que ça fait partie des valeurs là aussi en fait, historiques de La Réunion, s'engager ensemble, n'oublier personne, ne laisser personne au bord de la route. Et puis, vraisemblablement, le plus complexe à réaliser, le plus difficile à réaliser, l'intérêt général. Nous avons spontanément, dans notre façon de penser, que notre intérêt à nous constitue l'intérêt général. Alors, quand on discute, quand on partage, en fait, on s'aperçoit que nos intérêts peuvent être différents. Mais il y a toujours autour de ces intérêts divergents un fond commun sur lequel on peut s'entendre, le plus petit dénominateur commun. Et je pense que le travail que nous avons à faire ensemble, c'est de se dire sur ce plus petit dénominateur commun, comment on peut agir là-dessus et surtout le développer. Et puis moi, je crois fondamentalement aux valeurs d'excellence, là aussi, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est ressorti dans les ateliers. N'ayons pas peur d'être les meilleurs au monde sur des domaines qu'on aura identifiés, mais rêvons monde. On peut rêver monde. Alors, la place de l'entreprise là-dessus. Pour vous, chef d'entreprise, ce que je vais dire est une litote, mais on aura de cesse de le répéter, non seulement au niveau du MEDEF, mais chacun d'entre vous, dans vos sphères privées et professionnelles, il nous faut absolument réduire les contraintes qui pèsent sur les entrepreneurs. Et là, je pense que je vais apporter votre adhésion quand je parle de contraintes administratives, de contraintes financières, de contraintes politiques. Ça obère notre capacité à jouer pleinement notre rôle, qu'il soit économique, environnemental ou social. Alors, bien entendu, dans ce projet, on a aussi à faire un certain nombre d'actions, on a un certain nombre d'objectifs en fait, à réaliser, de modifications profondes à avoir dans nos entreprises. D'abord, la RSE. Alors, ça fait longtemps qu'on en parle, mais ça fait partie, on le voit bien dans une crise sanitaire, comment nos chefs d'entreprise se sont comportés de manière exemplaire sur cette partie de RSE au travers de l'activité partielle en particulier et de tenir la boutique contre vents et marées. On a aujourd'hui l'apparition des statuts hybrides. On peut avoir aujourd'hui des sociétés qui ont une raison d'être. On a parlé récemment de Danone. Antoine Riboud, l'ancien PDG de Danone, avait doté Danone en fait, d'une raison d'être. Au MEDEF, typiquement, nous avons une raison d'être, agir ensemble pour une croissance responsable. On va devoir faire face à un certain nombre de mutations du monde
extrêmement importante et complexe. Et on a la certitude au niveau de l'entreprise que le politique et la société civile, à eux seuls, ne pourront pas répondre tout seul à ces enjeux. Et c'est là qu'est notre place, parce que l'entreprise est un collectif de vie, et c'est là aussi que se passe l'innovation. Et donc, la contribution que nos entreprises, que nous, entrepreneurs, allons apporter au bien commun, c'est un des socles du développement du territoire. Alors, bien entendu, une fois notre rentabilité assurée, parce que ça reste quand même la règle de jeu de base, si notre rentabilité n'est pas assurée, nous allons simplement disparaître du paysage économique, hein, parce que c'est la règle du jeu. Et dès lors qu'on a assuré cette rentabilité économique, nous avons le devoir, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'entrepreneur, et aussi nos collaborateurs, de participer à ce bien commun pour que, justement, on ait un développement harmonieux de notre territoire. Alors, je vais passer rapidement, en fait, là-dessus, parce que c'est une diapo qui est très souvent connue. En fait, c'est la théorie du changement, où on réunit des acteurs qui apportent leur contribution au niveau de la vision, qui participent aux activités avec une co-construction du territoire, avec une proactivité des décideurs, les activités entraînant des effets, et ces effets ayant des impacts qu'il faut pouvoir mesurer. Et cette diapo, vous la retrouverez, je pense, très rapidement sur l'Internet, si vous voulez la lire entièrement, parce qu'elle est assez touchue, quoi. On a parlé de la vision. Quels peuvent être les objectifs stratégiques organisationnels? Je vous l'ai dit tout à l'heure, cette vision qu'on porte pour 2040, elle doit s'appuyer aujourd'hui sur les plans opérationnels européens qui représentent un des outils majeurs du développement de la Réunion. Et donc, quand on regarde ce projet, en fait, et cette déclinaison stratégique et organisationnelle, elle s'inscrit justement dans le POE parce que dans les plans opérationnels européens aujourd'hui, l'objectif numéro 2, c'est bien une économie verte. Dans l'objectif numéro 1, intelligente, objectif numéro 3, connectée, elle participe directement à ce pilier de l'innovation. Et puis, l'objectif numéro 4, qui est le social, une Europe plus proche de ses citoyens, en objectif numéro 5, participe directement à ce pilier qu'on a appelé donc vivre ensemble. Et puis, on a rajouté un quatrième pilier, qui est plutôt une aptitude, une compétence qu'on doit absolument développer, c'est d'avoir une Réunion extrêmement agile. Nous sommes un tout petit territoire, finalement, assez peu peuplé. Quand on regarde la carte simplement qui est autour de nous, nous sommes 850 000 habitants, et à côté de nous, de l'Afrique, c'est très rapidement, en fait, une bonne centaine de millions de personnes, quand on compte Madagascar, l'Afrique du Sud, le Malawi, le Kenya, la Tanzanie. Donc, les petits, en fait, ont cette obligation d'être extrêmement agile, d'être extrêmement réactif, de percevoir très vite en fait les changements qui sont en train de s'opérer, de manière à pouvoir s'adapter très très vite. Alors une Réunion plus verte, quels peuvent être aujourd'hui les axes de déclinaison de ce pilier en fait de la vision? Tout d'abord, c'est de décarboner la production et surtout gagner en autonomie électrique. Un sujet qui est aussi aujourd'hui sur la table, c'est l'économie circulaire. Donc, il faut aller beaucoup plus loin sur cette économie circulaire. Et je pense que chacun de nous a désormais, d'autant plus avec la crise sanitaire, savoir comment finalement je peux réutiliser mes déchets d'une certaine manière pour en faire une matière première pour quelqu'un d'autre, ce qu'on appelle donc le recyclage. Et au travers des expériences qu'on mènera ici, c'est surtout exporter des solutions. Quand on regarde les pays qui sont à côté de nous, que ce soit Maurice ou que ce soit Madagascar, ils n'ont aujourd'hui finalement aucun circuit organisé. Et on peut faire quelque chose sur un triptyque de ce style pour avoir une économie circulaire qui soit florissante. Développer les transports alternatifs pour tous ceux qui prennent la route. Je pense que le matin, là aussi, c'est quelque chose qui va emporter votre adhésion. Pour ceux qui viennent sur Saint-Denis, vous vivez entre 7h et 9h du matin des embouteillages absolument monstrueux qui ne vont pas aller en s'améliorer en dépit de toutes les constructions de routes qu'on pourra faire. Développer la construction verte, ça c'est la partie du bâtiment. Le bâtiment a beaucoup travaillé sur ce sujet. Il y a déjà un certain nombre de solutions qui ont été validées, certifiées dans Bâti Tropical, qui sont déjà désormais exportables. Il faut continuer à travailler sur le sujet, là encore, pour avoir un habitat beaucoup plus confortable à La Réunion, et puis, au travers de nos expériences, pouvoir valoriser ça sur les territoires qui sont environnants en secteur tropical. L'acquisition de bonnes pratiques éco-responsables, le tri n'est pas trop mal fait, on peut encore aller plus loin, et chacun de nous voit dans nos actes quotidiens, doit avoir en tête verte, innovante et vivre ensemble, et je pense que c'est ça aussi l'éco-responsabilité. La gestion de l'eau, hein, qui est primordiale sur un territoire
telle que la nôtre, avec 850 000 habitants, des surfaces agricoles à arroser, la gestion de l'eau doit être une priorité impérative et absolue sur notre territoire. On a vu ce qui s'est passé en Guadeloupe, dès lors que les grands fermiers de l'eau ont perdu leur marché, que c'est passé en régie. On a eu en Guadeloupe des hôtels qui manquaient d'eau une fois sur deux, une journée sur deux. On ne peut pas développer un territoire si on ne gère pas l'eau en même temps. Et puis, je vous parlerai aussi de toute cette mer qui nous entoure. On fait partie d'un pays aujourd'hui qui est le deuxième, peut-être même bientôt le premier, à avoir une ZEE, donc une zone économique exclusive autour de la mer. Et je pense que la Réunion, isolée justement, c'est un de ses atouts, d'avoir autant d'eau autour d'elle pour développer une économie bleue. Une Réunion plus intelligente, donc, sur ce deuxième pilier qui est l'innovation. C'est quelque chose qu'on fait tous les jours au MEDEF et qui nous préoccupe tout le temps. On a aujourd'hui une promotion des audacieux qui démarre, on a un club, un mentor lab. C'est comment aujourd'hui, dès le plus jeune âge, développer, diffuser un état d'esprit qui permette justement la prise de risque et l'entrepreneuriat. Je pense que vous serez d'accord avec moi qu'avoir mis le principe de précaution dans la Constitution nous paralyse, nous ligote complètement, alors que c'est vraiment le moment aujourd'hui de prendre des risques et d'être entrepreneur. Je le disais tout à l'heure, quand on parlait d'économie, même si on met l'entreprise au cœur des débats dans le monde politique, la plupart des politiques ignorent comment fonctionnent nos entreprises et quels sont les mécanismes qui l'animent. Donc, il nous faut là aussi développer une pédagogie économique auprès des élus, des décideurs, de la population, pour que ce qu'on fait dans nos entreprises, la manière dont on raisonne, soit parfaitement connu de chacun des acteurs de ce territoire. Le développement économique, la compétitivité des PME doit être une priorité politique et surtout mesurer la performance de la Réunion à l'échelle mondiale. Compétitivité, pourquoi ? Parce que nos clients, en fait, nous obligent en fait à aller vers cette compétitivité. Il y a toujours une recherche d'un mieux moins cher. Vous connaissez la règle du jeu comme tout un chacun. Et cette compétitivité, on l'a au cœur en fait, de nos entreprises. Il faut aujourd'hui la mettre en priorité absolue et que le monde politique qui déclinera avec nous en fait, ce projet puisse s'en emparer. Une intelligence collective, le jeu groupé, en fait, de manière à pouvoir avoir des plus petits dénominateurs communs qui permettent de développer des projets. Alors, ce n'est peut-être pas la peine au départ de développer des projets en fait, monstrueux, mais juste prendre l'habitude de développer des petits projets, commencer à se faire confiance, à savoir qui est l'autre, à travailler avec lui, à tenir compte de ses avis, de ses différences. Et ça fabrique naturellement une intelligence collective. Et on le voit bien dans les TPE, qui sont effectivement des acteurs qui peuvent être extrêmement fragilisés. Je vois aujourd'hui des associations de TPE se faire en disant bah, « si finalement, ton business, il n'est pas très loin du mien. Donc, les prospects que moi, je peux avoir, quand ça ne me concerne pas, peut-être que je peux te les passer. » Et c'est comme ça, en fait, qu'on arrive au bout d'un moment à avoir cette intelligence collective. L'autre pendant du développement de l'économie, c'est la formation. Vous avez tous, c'est quelque chose là aussi qui remonte tout le temps, vous avez tous des difficultés à embaucher aujourd'hui des personnes formées qui correspondent à vos besoins. On a un vrai sujet de la formation, et quand on sait aujourd'hui que la plupart des économistes disent que la crise sanitaire Covid entraînera la migration des métiers d'environ 1,5 million de personnes en France, nous devons avoir aujourd'hui un appareil de production de formation et surtout des contenus de formation qui soient adaptés à nos réalités économiques d'aujourd'hui et surtout qui préparent en même temps le lendemain. Et puis quand je parle d'innovation, on parle de recherche et de développement. Cette recherche et développement, aujourd'hui, elle existe. Peut-être qu'elle est faible, peut-être qu'il faut encore la développer, bien entendu, en fait. Mais très rapidement, pour que l'ensemble de la population puisse s'en emparer, il faut qu'on puisse non seulement accroître les retombées économiques, mais surtout les percevoir. L'innovation reste encore trop cantonnée aujourd'hui dans certains milieux, et il faut la diffuser beaucoup plus largement pour que justement la population se dise finalement l'innovation, c'est une excellente chose, et c'est ça qui va créer de l'emploi et des richesses demain matin. Une Réunion plus connectée, je parlais des routes maritimes, aériennes et numériques tout à l'heure, mais on a là aussi un énorme travail à faire sur l'éducation de base. Là aussi, quand vous faites des recrutements, ça remonte tout le temps, on en parle depuis des années et des mois maintenant. Dans l'éducation de base, il y a les soft skills, il y a ce savoir-être, il y a l'éducation numérique, et il est aussi illusoire de vouloir s'ouvrir au monde et aller à l'international s'il n'y a pas aujourd'hui une éducation rationnelle, percutante, efficace, linguistique.
L'idéal étant effectivement qu'on ait demain matin 852 000 personnes qui parlent anglais. Et je pense qu'on aura bien avancé déjà sur le sujet. Un des défauts qu'on a aujourd'hui, c'est que nous sommes innovants, on est capable d'avoir des solutions extrêmement intéressantes. Par contre, on ne sait pas le faire connaître. Et du coup, en fait, la Réunion est finalement peu visible. Bon, je ne vais pas reprendre la caricature qui commence à disparaître, mais ça arrive encore à Paris de dire ah, la Réunion, c'est à côté de la Guadeloupe. Bon, on a un vrai travail là, à faire sur la visibilité de la Réunion. Il faut que les gens parlent de la Réunion en disant ça, c'est un territoire sain, c'est un territoire où on a envie d'y aller parce que c'est un territoire où il fait bien vivre. La coopération internationale, hein, c'est aussi une des déclinaisons de l'intelligence collective. Alors, vous savez, historiquement, là, il y a toujours une espèce de guéguerre entre Réunion et Maurice parce que nos développements ne sont pas faits du tout de la même manière. Mais là aussi, il nous faudra apprendre à travailler ensemble dans une confiance. Alors, ça ne va pas être facile. Je ne dis pas que c'est facile de faire ça, de travailler avec Madagascar, ne serait-ce qu'avec Madagascar à côté, avec un droit qui est assez fluctuant, qui est assez même souple pour certains. Et c'est un euphémisme que je suis en train de dire. Mais là aussi, on a un travail à faire de manière justement à mettre en place cette coopération sur des petits projets qui deviendront ensuite des grands projets. La capacité d'ouverture au monde, quand on parle aujourd'hui de ces routes, les routes numériques, elles ne sont pas si mal que ça, on peut encore améliorer. Les routes aériennes, je sais que Karine est connectée, enfin, on peut difficilement imaginer vouloir développer des activités de services ou de produits exportables, ne serait-ce que vers le Kenya. Si on passe 24 heures à faire le voyage Réunion-Kenya, on n'y arrivera juste pas. On va s'épuiser en voyage avant même en fait, qu'on ait commencé la moindre entreprise sur le territoire. Donc là aussi, sur ces territoires internationaux. Donc là aussi, on a un vrai sujet sur la desserte aérienne, comment la faire évoluer, comment la rendre plus pertinente, comment la rendre plus efficace. En fait. Du coup, j'ai parlé en même temps des connexions justement physiques avec les routes maritimes. Il y a un certain nombre de projets là aussi au niveau des routes maritimes hein, qui permettraient aujourd'hui de pouvoir avoir une compagnie maritime régionale qui permette au travers de feeders effectivement de transporter de la marchandise sans passer automatiquement par les grandes routes pour aller de Paris à Marseille. On n'est pas obligé de passer obligatoirement par l'autoroute. On peut avoir quelques nationales qui peuvent être extrêmement intéressantes à regarder et surtout extrêmement rentables aussi. Et puis digitaliser l'économie réunionnaise. On est au cœur du sujet aujourd'hui, en fait. Hein. Vous avez tous, chacun à votre niveau, pris le chemin du télétravail, certains naturellement, parce qu'ils étaient déjà préparés, d'autres ont été à marche forcée. Beaucoup aujourd'hui de chefs d'entreprise l'ont fait à marche forcée. Nos processus de production doivent être digitalisés. La digitalisation, ça va envahir la totalité de nos entreprises et il faut que nous soyons prêts parce que c'est un des grands facteurs de compétitivité aujourd'hui et puis surtout qui nous permettra d'avoir des nouveaux courants d'affaires. Je pense en particulier à un des projets des audacieux qui ont été présentés en conférence de presse mardi matin d'une femme aujourd'hui qui veut développer son entreprise au travers de vêtements qu'elle dessinera et spontanément en fait elle a dit mais moi ça sera de l'e-commerce. Et je dis évidemment. On ne peut pas simplement se contenter aujourd'hui de vendre dans un lieu physique. Et elle a intégré immédiatement cette digitalisation dans son projet. Le Réunion plus social, alors, évidemment, la critique qu'on peut nous faire, qu'on peut nous adresser, depuis quand les chefs d'entreprise s'occupent de social ? On doit s'occuper exclusivement d'économie, sauf que le 21e siècle est arrivé et l'immixtion du social dans nos entreprises est déjà présente. Nous ne pourrons pas développer nos entreprises sans nous intéresser en fait à cette réunion sociale avec une culture d'entrepreneuriat. Ça, c'est notre métier, c'est à nous de diffuser une culture de responsabilité avec une formation humaine de qualité, un accompagnement des adolescents et des jeunes. Je vous encourage tous, et c'est vrai que c'est pas facile quand on est une TPE ou une petite PME, accueillir des stagiaires, c'est le moment ou jamais de leur montrer comment fonctionne une entreprise. C'est le moment ou jamais de démystifier l'entreprise. La seule vision qu'ils ont de l'entreprise, c'est celle de leurs parents. Tant mieux s'ils sont salariés du secteur privé. C'est moins bien quand ils sont fonctionnaires parce qu'ils ne connaissent pas nos mécanismes. Et puis aussi les professeurs qui, très souvent, en fait, n'ont aucune idée de savoir comment fonctionne l'entreprise. C'est le moment, avec les stagiaires, justement, de commencer cette éducation. Je vous encourage fortement aujourd'hui à prendre des stagiaires, à prendre des alternants, parce que c'est là, en fait, qu'on a un rôle à jouer dans cette responsabilité sociale qui désormais nous incombe dans un vivre ensemble qu'il faut absolument
diffuser, il faut continuer à en parler. Pour tous ceux qui vivent à La Réunion, qui sont nés ou pas nés à La Réunion, mais qui vivent à La Réunion depuis longtemps, ça paraît tellement évident qu'on n'en parle plus. Or, aujourd'hui, c'est le moment d'en parler parce qu'il y a un certain nombre de courants aujourd'hui qui voulaient faire croire en fait que La Réunion, historiquement, était une Réunion fermée. C'est faux. C'est juste une erreur, en fait. Et le vivre ensemble, il faut le promouvoir, il faut éduquer nos jeunes et nos enfants à se vivre ensemble et rappeler en permanence quelles sont nos valeurs sur le sujet. Et ce qui nous permettra demain, justement, d'avoir une réunion encore plus inclusive. L'idée étant, c'est que chacun de nous, je le redis, a le sentiment d'être à sa place et d'avoir sa place sur ce territoire. Une réunion proche des citoyens. Alors là, la première phrase, effectivement, quand on l'a présentée à quelques personnes, ils ont effectivement bondi. Faire émerger une classe politique soucieuse du bien et de l'intérêt public. Ça ne veut pas dire qu'ils ne s'en préoccupent pas aujourd'hui. Beaucoup d'entre eux s'en préoccupent, mais ils ne sont pas organisés pour avoir effectivement l'émergence d'un bien et d'un intérêt public qui soit complètement partagé. Et donc, l'avenir de ce territoire passera justement par l'inclusion à la fois du monde politique, de la société civile, du monde entrepreneurial pour aller vers un territoire qui est co-construit parce que cette co-construction justement permettra d'avoir cet objectif de se sentir bien sur ce territoire. Et pour ça, il nous faut absolument rapprocher les décideurs politiques, mais surtout administratifs. Vous avez tous vécu là aussi dans les collectivités ou même dans les services de l'État, avoir plutôt des politiques qui ont conscience de ce qu'il faut faire, qui ont envie de faire, et quand ils se trouvent confrontés à leur propre bureaucratie, on sent bien que tout ça est en train de s'effilocher. Je reprends l'expression du secrétaire général adjoint de l'Élysée sous Sarkozy, qui disait que quand le président, en fait, émettait une idée à 100%, ce qui arrivait in fine à l'Assemblée nationale, c'était 25%, parce qu'il y avait eu des méandres bureaucratiques. Donc, si on n'embarque pas aujourd'hui les administratifs avec nous, là aussi, on perdra de contenu, de force en fait dans nos idées, et puis surtout embarquer toute la population. Je pense que la population aujourd'hui, elle est connectée, elle regarde plein de choses. À nous de structurer cette pensée de manière à montrer effectivement qu'une entreprise, ce n'est pas un lieu de martyr, ce n'est pas un lieu de torture, mais c'est bien un lieu où on s'enrichit, c'est un lieu où on peut avoir effectivement une vie sociale parfaitement épanouie. Et puis, un sujet moi qui me tient beaucoup, beaucoup à cœur, quand je vois en particulier comment se comportent les Antillais aujourd'hui, c'est le territoire métropolitain. Un Antillais, vous le voyez, il est fier d'être Antillais, il le dit. Quoi, en fait. Ben, nous, on a ça à apprendre parce qu'on est bien meilleur qu'eux, très souvent, sur beaucoup de sujets. On est capable d'apporter des solutions absolument innovantes, d'avoir une vision complètement différente et de porter fièrement les couleurs de La Réunion. Et c'est la raison pour laquelle, Michel, et je te réponds maintenant à cet instant, qu'on a mis ce fameux drapeau de La Réunion qui n'a jamais été officiel, mais qui est de plus en plus partagé parce qu'il y a une fierté aujourd'hui d'être réunionnais avec une parfaite conscience de nos capacités et de tout notre potentiel qui reste à développer avec, en même temps, cette vision de l'avenir, mais aussi une protection d'un patrimoine culturel et naturel. Le volcan, il est unique au monde, quoi. Donc, c'est typiquement voilà, un site qu'il faut absolument protéger et pourtant l'ouvrir au monde. Alors, c'est une équation qui n'est pas toujours facile à faire. Beaucoup de pays très touristiques n'ont pas réussi à faire ça. Ben, je pense que nous, on réussira parce que justement, on est capable aujourd'hui de s'inspirer des succès et des erreurs, et de tenir compte des erreurs de ce que les autres ont pu faire pour développer nos patrimoines culturels et naturels. On continue, Audrey. Merci. Dernier point, je parlais d'agilité tout à l'heure, en fait, hein, dans l'agilité, et c'est un point important, c'est un vrai message qu'on doit porter à l'ensemble des acteurs du développement de ce territoire, qu'ils soient politiques, société civile et administratifs. Dès lors qu'on a pris un cap, on le garde, quoi. On ne fait pas des zigzags comme on a pu faire depuis des années en fonction des alternances politiques. On se dit, voilà, la vision, elle est devant nous, on l'a partagée, on est d'accord sur la finalité à 2040, donc on garde ce cap. Et si à un moment donné, on dérive, il y a toujours quelqu'un qui doit être là pour dire, non, on est en train de s'éloigner de l'objectif initial 2040, reprenons en fait les bonnes habitudes, remettons-nous en ordre de marche pour atteindre l'objectif 2040 qu'on s'est fixé. Ça suppose, bien entendu, à un moment donné, une modernisation du pilotage politique.
au-delà des alternances. Et puis, surtout, alors c'est quelque chose que nous, on sait faire en entreprise en général, hein, c'est de mesurer les résultats. C'est quelque chose qui n'est pas connu obligatoirement de l'administration. Et c'est un élément extrêmement important sur lequel il faut insister. Chacune des actions qui soient menées dans le cadre de ce projet doit être évaluée. Alors, pas simplement dans le cadre du projet, pardon, dans tous les projets qui doivent être menés, mais c'est un élément extrêmement important. On a une stratégie, une organisation, on a décliné des actions. Ça a donné quoi comme impact cette action? On corrige. Et il faut être capable de dire, comme nous en entreprise, voilà, on s'est trompé sur cette action. Ce n'est pas comme ça qu'il fallait le faire. Ce n'est pas l'action qui était mauvaise, c'est la manière dont on s'y est pris qui était mauvaise. Bon, mais OK, on recommence l'action et on améliore et on fait différemment jusqu'au moment où on obtient effectivement le résultat espéré. Et puis, le dernier point sur l'agilité, on doit tous animer, je n'aurai cesse de le répéter, et le MEDEF, on n'aura jamais cesse de le répéter, il faut penser et surtout agir international. Penser, agir international, c'est une préoccupation majeure. Si demain, on veut trouver de nouvelles activités, que ce soit de services ou de produits, il faut intégrer l'international tout de suite dans nos projets et puis surtout s'y tenir, même si on sait que ce n'est pas facile, même si ça peut être compliqué, même si les obstacles sont sur notre route, il faut penser international, sinon on n'y arrivera juste pas. Alors, le projet étant posé, ce projet, en fait, on l'a proposé aujourd'hui au monde économique. Peut-être que certains d'entre vous savent ce que c'est RECO, Réunion économique. Réunion économique, aujourd'hui, c'est la réunion des présidents du MEDEF, de la CPME, de Digital, du BTP, de l'ADIR, de l'UDP maintenant. Partager avec eux, on n'a pas la science infuse, on ne détient pas obligatoirement la vérité, mais voilà une base de travail sur laquelle on pourrait se mettre ensemble et regarder comment on peut l'enrichir, puis valider certains points ensemble, d'aller voir les décideurs politiques de manière là aussi qu'ils puissent enrichir avec leur vision, qu'ils le valident, et puis tous les autres acteurs qui soient, je le disais tout à l'heure, éducatifs, culturels, associatifs. En fait. Dès qu'on a fait ça, et pendant qu'on est en train de faire ça finalement, on doit absolument prioriser nos objectifs. Et prioriser nos objectifs, ça suppose pouvoir mettre des indicateurs SMART, c'est-à-dire que si vous reprenez la définition de SMART, en fait, de mémoire, c'est S pour, il doit être spécifique, M pour mesurable, A pour ambitieux, R pour réaliste et T pour temporalité. Voilà. Ce sont en fait les 5 grands critères qui sont appliqués à un moment donné sur une évaluation et qui permettent de dire, OK, on est arrivé là, on peut passer à la prochaine action, ou alors non, il faut la corriger avant d'enclencher notre action suivante. Et nous ne pourrons pas faire ce projet sans qu'il y ait un portage par la région Réunion. Je vous le disais, hein, toutes les lois de décentralisation ont mis la région au cœur du développement économique. Si la région n'est pas impliquée dans ce projet, il restera entre nous, dans nos cartons, à faire, j'allais dire, joli. Donc, on a un travail en commun à faire ensemble. C'est de porter ce projet auprès des acteurs de la région pour qu'il soit enrichi, validé, amendé, modifié. Et pour que ça fonctionne, un projet, il faut qu'il y ait un comité de pilotage. Ce comité de pilotage, là aussi, il doit être public, privé. Il faut que vraiment l'ensemble des acteurs participent à ce pilotage global parce que c'est lui qui va être le garant en fait, de l'organisation et de la cohérence entre la stratégie qui a été énoncée, l'organisation qui a été mise en place, et puis l'opérationnel qui en découle, avec des comités de pilotage sectoriels à un moment donné. On a aujourd'hui, d'ailleurs, sur cette évaluation des plans opérationnels européens, une agence de suivi qui s'appelle l'Agile, hein, qui réunit aujourd'hui le département, la région et l'État, et qui fait ce travail-là. C'est un travail, d'ailleurs, qui finalement est assez peu connu, alors que si vous allez sur le site de l'Agile, vous verrez un certain nombre d'évaluations qui ont été menées. Alors, elles sont perfectibles, bien entendu, mais au moins, il y a quelque chose qui existe et sur lequel on peut s'appuyer à un moment donné pour pouvoir aller un peu plus loin que ce qui est fait aujourd'hui. Puis, comme dans nos entreprises, finalement, les plans d'action, ils sont bien entendu non seulement évalués, mais surtout actualisés chaque année, de manière à ce que les objectifs annuels soient refixés en permanence. Et puis, le dernier point dans la mise en œuvre, là aussi, c'est une nouveauté du 21e siècle, c'est une transparence des résultats et surtout être capable, chacun d'entre nous, le politique, la société civile, de dire bah, « là, on s'est trompé, là, on a réussi, là, il faut corriger, là, il faut travailler différemment et qu'on arrête ce jeu d'invectives qu'on voit aujourd'hui dans le paysage de notre territoire » où chacun dit « oui, mais lui, il a mal fait, son bilan en fait est mauvais, moi, je vous promets différemment. » Et puis l'autre dira la même chose
10 ans plus tard. Enfin, ça n'a pas de sens, quoi, en fait. Alors que dans nos entreprises, aujourd'hui, on est capable de dire ben, oui, on s'est trompé, oui, on a réussi. Et bravo, quand on a réussi, on se félicite. Il ne faut pas là aussi hésiter à se féliciter, parce que c'est ça qui donne aussi une fierté à chacun d'entre nous. Alors, je pense que c'est la dernière slide, si mes souvenirs sont bons, Audrey. En synthèse, en fait, ce que j'attends des commissions et des présidents de commission, c'est un travail qu'on fait avec l'ensemble des commissions, c'est de réfléchir à savoir comment chacun de nous, adhérents du MEDEF, pouvons à un moment donné faire adhérer à cette vision l'ensemble des acteurs que l'on connaît, qu'ils soient dans notre sphère privée, dans notre sphère professionnelle, même si cette vision est amendée demain matin, qu'elle est enrichie, mais au moins on se dit, voilà, travaillons sur la vision ensemble, et ce qui nous permettra d'impliquer l'ensemble des acteurs, qu'ils soient politiques, économiques, administratifs, éducatifs, et ça c'est notre rôle à nous, adhérents du MEDEF, de le faire avec, mais là je vais dire une litote parce que vous le faites tous les jours, cet esprit pionnier qui va de l'avant dans chacun de ces mondes. Là, on a plein de choses à apprendre du politique, plein de choses à apprendre de l'administration parce qu'ils font aussi de bonnes choses. On peut trouver et on rencontre régulièrement des administratifs qui ont à cœur effectivement de faire leur tâche correctement, qui se préoccupent du territoire, qui ont envie de bien faire les choses. Et ça passe effectivement par cette notion de oser qui a été complètement brimée depuis une quinzaine d'années, non seulement sur notre territoire, mais aussi en France. En fait. Et donc, ça nous permettra de nous enrichir et donc de renforcer à ce moment-là nos capacités humaines et surtout institutionnelles, parce que ce projet, dès lors qu'on porte une vision, il y a au moins un espoir, en fait, à un moment donné, qu'on peut caresser ensemble et dire « demain sera mieux qu'aujourd'hui ». Ce n'est pas toujours facile en ce moment avec la crise sanitaire. Je crois que c'est la dernière slide, si mes souvenirs sont bons. Oui, la manière de fonctionner, pardon. Mais finalement, je vais redire des choses que j'ai déjà dites, c'est l'évaluation, la visibilité de la réunion, être à l'aise international, accompagner les groupes, qu'ils soient les élus, les professionnels, les administratifs, les jeunes, sur le pouvoir de décision, prendre des initiatives, travailler en partenariat, et puis commencer par des petits projets sur lesquels il y a finalement peu d'impact, même s'il y a des échecs, ce n'est pas très grave, mais ça apprend à se connaître à ce moment-là. Quoi, en fait. Voilà, Monsieur le Président, mon cher Romain, je pense que j'en ai terminé de cette intervention. Merci Didier. Peut-être on peut se faire un... Parce que moi, j'ai eu pas mal de questions à poser à Didier quand on a eu cette présentation plusieurs fois. Est-ce que peut-être certains d'entre vous ont des questions ou des remarques à faire ou des... peut-être dans votre compréhension, peut-être ? Ça pourrait être déjà une première chose. À ce moment-là, je vous propose de prendre la parole directement. Je n'ai pas de process particulier. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait une question ? Je veux bien avoir une remarque ou si vous voulez bien, je peux prendre la parole ? Oui, je vous en prie, allez-y. C'est Harry, Razafine arrive, donc encore un expertise. Merci pour cette présentation très riche et assez complet sur la vision de ce qui peut nous attendre pour le développement de la Réunion. J'ai eu l'occasion personnellement de faire partie des grands témoins de la préfecture sur une réunion de travail qui consistait à faire la réunion prospective 2040 il y a quelques années. Et je m'aperçois qu'il y a quelques années, on disait déjà la même chose. Et ce qu'a présenté Didier là, j'approuve totalement sur l'idée qu'effectivement, beaucoup de choses évoqué et pas grand chose n'a pu être mis en place pour des raisons qu'on ne maîtrise pas forcément, mais néanmoins sont très bien présentées dans le slide, je trouve. Ça fait 24 ans que je suis en Réunion et ça fait 24 ans que j'entends effectivement que la nationalisation, je me rappelle partie des avec Claude Godet, Club Export, d'aller déjà d'amener quelques entreprises export, et ce n'est pas chose facile. On voit bien même aujourd'hui encore des jeunes qui partent en France, mais ont du mal à surtout avec le contexte actuel, à rester à l'extérieur, à s'éloigner de leurs parents. J'ai vu un jeune actif l'autre jour qui a très fort potentiel. Dans son transport et qui a été recruté par le
d'Auxerre et qui a refusé cette offre du club d'Auxerre professionnel parce qu'il ne voulait pas sa famille et la réalité qui prendra en compte et on le sait que pour aller de Saint-Denis aujourd'hui, c'est difficile. Donc la mobilité est un sujet qui touche pas seulement ces jeunes, mais qui touche aussi les entreprises et c'est une réalité que nous attendons. Quand la mission a été réalisée avec l'accompagnement de la région, l'accompagnement à la SR21 déjà, tant sur l'Afrique du Sud, sur le Mozambique, sur Madagascar, non pas, sur Maurice non plus, et même jusqu'en Chine. Et effectivement, aujourd'hui, difficile au face de toute façon. Alors, est-ce que il y a l'anglais, 4 ans que je dis, j'entends qu'il faudrait qu'on s'y mette à l'anglais. On parle de s'y mettre encore en 2021. Est-ce que même pour aller à Mayotte, certains chefs d'entreprise sont aujourd'hui friands. On a juste sauté le pas, de sauter la. Et pourtant, ils sont abordés dans ce slide plus que super intéressant et intéressant, mais très juste dans les facteurs de réussite de ce projet, dans les trouve personnellement 100% qui a été présenté. Si je peux mettre énergie là-dedans pour contribuer à ce projet de réunion. Finalement, je suis et cette présentation réconforte quelque part aussi mes propres convictions et je voulais vraiment vous je remercie. Merci Harry et juste profiter de merci de ton intervention, c'est de savoir alors de le réagir hein, évidemment le but c'est de partager et de voir comment nous le club TPE, c'est vraiment enfin à peu près tous les adhérents TPE et on invite d'autres plus grandes entreprises à rejoindre si elles le souhaitent à chaque fois, pas de souci, mais là, comment on pourrait s'impliquer dans l'action, est-ce qu'il y a des thématiques par exemple de sujets qu'on pourrait plus spécifiques avec ce projet-là, est-ce que vous avez des idées d'autres personnes, est-ce que voilà l'idée maintenant on pourrait s'engager. Je vous partagerai une petite proposition, mais voilà. Vous avez d'autres choses qui pourraient vous. D'autres idées. Voilà. Je vous laisse quelqu'un qui veut prendre la parole. Ben, si vous voulez bien, pour terminer un peu mes propos, et je vous laisserai tranquille, mais pour aller dans la suite de mes propos et répondre à cette question, Romain, l'idée peut-être. Que je vois moi dans ce que je en tous les cas moi dans ce que je peux apporter c'est ma dans ce premier puisque c'est dans ce cadre là du grand témoin à la préfecture du commerce international c'est peut-être d'amener les entreprises qui ces appréhensions de passer le cadre national parce qu'en fait du peu que ça j'ai remettre. Il me semble que les entreprises sont capables d'aller à l'exploration de ce qu'est l'international parce qu'elles sont accompagnées, mais quand ensuite, autour de ces missions, on est tout seul, gérer tout seul des risques, gérer tout seul des risques du marché étranger, il n'y a peut-être pas assez d'accompagnement, donc peut-être les plus accompagnés marchent. Internationalisation de leurs activités parce que Didier a parfaitement raison je trouve dans le sens que lorsqu'on veut créer une activité il faut absolument avec notre insularité tout de suite penser international et moi personnellement je ne vois pas comment faire autrement vu l'état actuellement, la situation du marché même de notre environnement dans l'océan Indien ou dans la zone Afrique australe par exemple quoi. Donc peut-être déjà au niveau du TPE, s'il y a une action que moi je pourrais imaginer en réflexion, ce serait cet accompagnement dans le fait d'appréhender le marché à l'international, quel que soit le pays. Voilà. Merci. Ce que je vais peut-être me permettre, du coup, c'est je vais rebondir sur cette proposition. Ah, Monsieur Manson, vous voulez peut-être prendre la parole ? Oui, je voulais partager une réflexion avec vous également sur le fait que quand j'entends la vision.
à 2027, 2040, je pense à la jeunesse et je pense à la sensibilisation de la jeunesse. Et donc, on parlait de formation et je pense qu'il y a une notion d'information auprès de la jeunesse. Moi, je peux m'engager avec vous et avec votre accord. Je donne des cours à l'IAE en Master 1 et en Master 2 en Management, Ingénierie du Tourisme, à présenter et à faire voir travailler des étudiants sur le projet Vive la Réunion, et de faire partager en fin de compte cette idée et non pas la laisser au niveau des chefs d'entreprise, mais aussi de l'ouvrir un peu plus large encore. Et je pense que voilà, des étudiants en master doivent être très tôt conscients de ces projets pour le futur de l'ILA. Ben, moi, en tout cas, c'est une belle initiative. Je ne sais pas si Didier veut réagir, mais en tout cas, ça me semble. Merci Fabrice. Ah ben, merci Fabrice de cette proposition. Je ne peux qu'adhérer, puisque, effectivement, sur une des slides, il faut qu'on embarque en fait, l'ensemble des acteurs avec nous. Et moi, quand je regarde mon âge, en 2040, vraisemblablement, je ne serai plus là en chef d'entreprise. Donc, c'est bien nos jeunes aujourd'hui qu'il faut convaincre, sur lesquels, effectivement, il faut travailler la capacité à oser, la capacité à innover, en disant voilà, il y a un projet, on va le démarrer, mais après, on vous donnera les rênes. On va vous transmettre ça. Et ça sera à vous de le terminer et de le continuer. Ouais. Pour moi, c'est des thématiques très importantes, effectivement, qu'on va pouvoir... Moi, j'avais eu dans l'idée que le club TPE pourrait se rapprocher de l'ensemble des commissions pour proposer peut-être une action commune. Et je trouve qu'aller se rapprocher des universités, des lieux de formation, en tout cas de nos cadres, de nos futurs Master 2, c'est une très bonne, en tout cas, ça serait une très belle initiative. Donc, je pense que c'est noté Fabrice à pousser. Moi, c'est vrai que je vais peut-être vous partager, du coup, je me permets de vous partager un peu les réflexions que j'avais eues, que j'avais envoyées. Donc, j'avais proposé au MEDEF qu'on ait cette réunion-là aujourd'hui. J'avais proposé qu'on ait, en fait, avec chacune des commissions, par exemple, la prochaine, peut-être, voir justement, on parlait d'export et avec le club export ou la commission export du MEDEF et peut-être Harry, s'il le souhaite, discuter justement, voir les freins, essayer de lever les freins, quels sont les freins qu'on a, enlever les idées reçues, enfin, en tout cas, essayer de mettre des actions en place. Et c'est vrai que je reviens toujours à me dire à chaque fois, il faudrait qu'on ait le club TPE, pour l'instant, à fonctionner plutôt sous le format de points de rencontre, de points d'échange. Mais peut-être qu'on se fasse des sous-groupes ou des petits groupes de travail qui pourraient porter chacun un petit projet. Pas quelque chose forcément d'ambitieux, mais quelque chose qui permettrait de, j'ai noté cette phrase de Didier, de faire des actions pour donner du sens. C'est aller mettre du sens dans notre petite part à nous. Voilà, donner un petit peu de sens à ça, ça pourrait être... mais c'est vrai qu'en fait, on est en télétravail, mais... on est en télétravail, on est surtout en visio et à distance, mais par exemple avec la commission de développement durable on avait réfléchi à un moment donné de faire une utilisation de moyens de salles, de matériel pour les entreprises peut-être se rapprocher de la raison d'être. On parle souvent de cette raison d'être qu'on doit définir, mais on ne sait pas trop le faire, donc peut-être faire un atelier, trouver un spécialiste pour ça. Peut-être faire une labellisation RSE collectivement, parce qu'on a eu la commission RSE qui nous avait présenté deux méthodologies à la réunion qui existait. Il serait peut-être de trouver celle qui serait la plus intéressante pour nous et puis essayer de se faire trouver un financement pour qu'on essaie de, en tout cas, une forme de financement ou une aide, hein, peut-être pour alléger le coût. En tout cas, il y avait la DL ou la DIEC, je ne sais plus qui était là, mais qui avait dit que ce serait peut-être possible. Voilà, je me disais peut-être des cours d'anglais, on parle de l'anglais, on voudrait tous partir à l'international. Moi, je parle anglais comme une vache espagnole. Je ne sais pas comment vous êtes, vous, mais peut-être que ça pourrait être intéressant de se faire une heure d'échange autour d'un café. Alors là, c'est vrai qu'on en est toujours, on est avec le confinement, ce n'est pas top, mais peut-être que Monsieur Manson pourrait se retrouver à la terrasse d'un de vos hôtels. Je ne sais pas ceux qui sont là, mais peut-être avec Aerostral, votre expérience de la zone. Enfin, voilà, je me dis, il y a vraiment peut-être quelque chose à faire aussi sur l'angle de l'anglais. Et puis, j'avais réfléchi à quelque chose, parce qu'on parle souvent de l'identité réunionnaise, la fierté d'être réunionnais. Ce serait peut-être de faire venir, justement, avec des écoles, avec des chercheurs, aussi remettre la relation avec la recherche, voire à l'université, mais ça pourrait être voilà, avec des écoles,
des experts, des chercheurs, des universitaires qui nous parlent, qui nous partagent en quoi la Réunion, l'île de la Réunion unique. Je parle de ça parce que j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle René, qui avait travaillé sur le dossier, le dépôt du dossier pour patrimoine mondial de l'UNESCO. Et quand il vous parle de la Réunion, on a l'impression d'être au paradis, quoi. Et je me disais, ben, ça peut être vraiment un échange qu'on pourrait avoir. Voilà. Donc voilà, c'était des petites idées que j'avais lancées par petites, voilà, des petits groupes de travail, des petites touches. Maintenant, voilà, de votre côté, est-ce que vous avez, je vois qu'il y a des communicants, il y a Louis qui est là, on a plein d'entre, je vais réveiller tout le monde. Voilà, il y a Philippe Jean-Pierre, je vois qui est là aussi. Ah ben Philippe Jean-Pierre, levez la main. Oula, ça y est, ça lève la main. Donc super, merci d'avoir levé la main. Donc, je vais commencer par Laurence parce qu'elle est première. Philippe, je te passerai la parole en premier, puis en plus, c'est une dame. Et Laurence, voilà, je vous avais levé. Je vous passe la parole. Merci. Bon, Philippe, pardon. Hein. je prends la place. Bon, moi, je suis à la fois chef d'entreprise et puis à la fois présidente d'un pôle de compétitivité qui travaille sur l'innovation en bioéconomie. D'abord, je voulais vraiment remercier Didier et les équipes parce que voir écrite enfin une stratégie pour la Réunion, je trouve que c'est vraiment plus fort que ce que j'avais vu jusqu'à maintenant et que ça fait deux fois que je vois ces slides et petit à petit, je trouve que ça s'imprègne et le travail que vous faites en communication pour que les mots, les phrases rentrent, c'est vraiment super. En tant que chef d'entreprise, j'ai l'impression qu'il y a des choses que je peux avec lesquelles on peut vraiment fonctionner, de rentrer dans des schémas verts, etc. Mais par contre, l'export, dans mon domaine de restauration collective, je bloque. Et puis dans notre difficulté quotidienne, je bloque deux fois plus en me disant « la vie est déjà super dure, je ne vais pas en plus aller dans un autre pays ramer ». Donc, tu l'as évoqué, Didier, de dire « il fallait faciliter la vie des entrepreneurs ». Et je pense que pour ça, ça fait partie des priorités. Je voulais aussi réinsister sur l'aspect innovation en disant que le pôle de compétitivité qui s'appelle Qualitropique aide les entreprises à répondre à des appels à projets. Il y a beaucoup d'appels à projets dans les domaines environnementaux qui soutiennent les entreprises qui déposent des projets et l'argent n'est pas si difficile à gagner en termes de subventions. Et au pôle de compétitivité, il y a des professionnels qui peuvent vous accompagner sur la transformation du plastique, sur des choses comme ça. Et puis, j'ai eu une idée en regardant le slide, et Didier ou tout le monde, je ne sais pas ce que vous pourriez en faire, c'est pourquoi est-ce qu'on ne présenterait pas l'île de la Réunion au prix Nobel de la paix ? Puisque, après tout, on est une population de paix, de consensus. Pourquoi on ne se présenterait pas prix Nobel de la paix ? Voilà, et ça donnerait la visibilité, ça renforcerait notre vision du vivre ensemble, et je pense que c'est une bonne idée. Voilà, merci de m'avoir laissé la parole. Merci Laurence. Est-ce que Didier, tu avais déjà eu l'idée du prix Nobel de la paix ou pas ? Alors, pas du tout. J'étais en train de regarder qui était d'ailleurs le prix Nobel de la paix en 2020, en même temps sur le net, parce que je trouve que c'est une excellente idée. Alors, je ne sais pas combien ça coûte, par contre. Hein. Laurence, on a des moyens à mettre en œuvre, je suppose. Mais c'est une excellente idée pour faire connaître la Réunion sur cette planète. En tout cas, merci Laurence. En tout cas, ça donne des pistes. Merci. Philippe, peut-être, ça y est, c'est ton tour. Merci. Peut-être faire le trait d'union avec ce que Laurence vient de me dire, parce que on parlait de prix Nobel de la paix il y a encore quelques années. Nous ne parlions même pas de prix Nobel de la paix. On avait interviewé il y a 5-6 ans. Mais au-delà de ça, ce qu'on vendait comme projet, ça fait le trait d'union par rapport au document que nous a présenté Didier. C'est même pas le prix Nobel de la paix. C'est de se dire qu'en 2045, la Réunion est à la une du Time magazine « We save the world ». Et donc forcément, derrière cela, il y a bien entendu l'idée de déclinaison, prix Nobel de la paix, etc. Parce que ce que nous aurions à vendre demain, ce n'est pas tant notre technologie, ce n'est pas tant nos capitaux, c'est la première de nos richesses, c'est-à-dire l'homme. Parce que finalement, quand on regarde bien, c'est notre vivre ensemble, c'est le côté que demain, la valeur rare ne serait pas pétrole ou la techno, mais serait la dimension paix sociale, un petit peu comme on l'a vu dans l'après-crise. Et donc la dimension humaine serait également une valeur rare et serait une de nos valeurs ajoutées. On l'a bien vu là dans la recherche du monde d'après ou d'apaisement.
en disant que les territoires où il y a une forme de dimension pacifique, où on ne se cogne pas dessus, au-delà de l'enfoncement de porte ouverte sur le vivre ensemble, deviennent effectivement des éléments de différenciation. Donc, entreprendre, c'est aussi avoir de rechercher de la stabilité, de la visibilité, de la lisibilité sur son action, sur son business plan, sur sa déclinaison. Je pense que là-dessus, la réunion à terme pourrait être également porteuse d'un certain nombre de valeurs, d'originalité, de points de localisation, surtout de base arrière, comme on souhaite qu'elle le soit vis-à-vis de l'Afrique australe ou pour d'autres types d'opérations. Je rebondis là-dessus pour dire donc c'est pas une, finalement, ce n'est pas une idée si saugrenue que cela, en se projetant suffisamment loin pour que ce soit réalisable, mais en étant un peu comme aller sur la ligne, suffisamment réaliste si on y met les moyens, parce qu'à horizon d'une dizaine ou d'une quinzaine d'années, ça peut être un élément qui est peut-être porteur. Une différenciation sur le plan du touriste, par exemple, en disant demain, on reviendrait à La Réunion, on viendrait à la visiter à La Réunion, non pas pour la hauteur de son Piton des Neiges, comme le disait René Robert, mais ni pour ses requins, mais parce que finalement, tu vois, chérie, ici, dans cette île, ne se tape pas dessus. Encore une fois, c'est quelque chose à bien valoriser, mais c'est quelque chose qui peut devenir rare. Et puis, je rebondis, si je le dis, et donc pour faire le trait d'union par rapport à ce qui vient d'être énoncé, c'est parce que le document qui vous a été présenté propose une vision pour y parvenir. Bon, il rassemble, hein, c'est un document de synthèse, plusieurs visions similaires avaient été déjà énoncées, et il fait de le consolider, donc c'est déjà une valeur ajoutée, puisque le consolider, ça signifie qu'on ne va pas se remettre à pondre des stratégies tous les ans. En revanche, ce qui est peut-être avantageux, c'est maintenant comment on y va. Didier a décliné un certain nombre d'actions, de leviers. Je crois que l'un des points aussi, c'est qu'il va falloir qu'on fasse preuve, qu'on réagère de l'audace. Parce que si on essaie d'imaginer, d'atteindre cette vision et cet objectif avec les outils d'avant et avec forcément nos modes de pensée, parce qu'on est à un moment donné, on est sidéré sur le présent, contraint par notre mode de fonctionnement, d'il a dit, dans une gouvernance publique parfois enlisée, etc. Peut-être que là aussi, le mot audace va devoir être remis sur la table. Je dis audace, c'est simplement de se dire, voilà, penser en dehors de la boîte, et se dire que si on doit imaginer aussi, non plus atteindre simplement, Didier, je rajouterais, mais atteindre à grande vitesse, parce que la décennie qui nous attend, faite de réalité augmentée, d'intelligence artificielle, d'action climatique qui va devoir se faire à vitesse grand V, ne va pas nous attendre. Et donc, je pense que là aussi, il va falloir réintroduire de la vitesse, peut-être dans un territoire qui était habitué à vivre à un certain rythme, peut-être à la synchrone par rapport à sa métropole. Et quand on voit l'exemple des vaccins ou la façon avec laquelle notre territoire national a réagi dans cette crise, de cette pandémie, j'ai envie de vous dire, on ne peut pas non plus envisager notre avenir à court-moyen terme au même rythme, parce que les pays émergents du tour ne vont pas suivre. La Chine n'attend pas les grands ensembles. Et donc, je pense que audace, rapidité, agilité, derrière le mot agilité, il y a aussi cela, comment on réinscrit de la célérité dans notre action. Bon, donc ce sont des éléments qui font que si on doit se tourner là dans les prochains mois, indépendamment des calendriers, il y a peut-être aussi à apporter ces éléments dans cet ADN de réflexion pour que, au-delà de l'innovation, au-delà des mots, on puisse maintenant les décliner en ayant aussi un petit peu des contraintes, un peu ces chemins de sel entre deux parois, hein, comme si on était sur le sentier scout entre les deux collines, là-haut, dans le haut de Mafate ou de Salazie, et on n'a pas le choix, mais on doit aller de plus en plus vite parce que si on arrête de pédaler, on chute. Alors, juste un petit ajout, Didier, tu m'autorises à le dire, on a une commission qui va, on va dire en tout cas, non pas reprendre vie, mais en tout cas elle être en mode d'action également pour la déclinaison, comme tu l'as souhaité, d'une partie du document, puisque ça sera l'objet de du think tank Territoire et Croissance, dont une des actions, j'invite les membres et ceux qui sont intéressés à vouloir aussi y participer, une invitation vous sera transmise prochainement. Merci. On peut peut-être préciser, Philippe, que c'est toi qui l'a, je ne sais pas si c'est présidé ou comment, en tout cas qui la cadre ou qui la préside, je crois. Oui, mais on va dire que ça sera un sport collectif. Hein. Voilà, il faut juste un scribe assis. Ok, donc tu seras le scribe. Voilà, donc Philippe puis j'allais te dire justement, Philippe, est-ce qu'on ne ferait pas un truc avec ta commission? Je ne savais plus, il y en a tellement dans laquelle tu étais, mais voilà, ok, ben c'est super. J'espère que certains d'entre nous pourront être présents à tes côtés, en tout cas pour travailler là-dessus. Donc, merci beaucoup, Philippe. Et puis, on va venir travailler avec toi aussi, et pourvu que tu aies une vision sur le time pour 2040.
Peut-être d'autres retours de votre part. Je ne sais plus comment on lève la main. Alors, peut-être que Philippe, tu peux me dire juste comment on lève la main parce que moi, je ne sais pas faire. Alors, en haut de l'écran, en haut de l'écran à droite, normalement, tu as. Enfin, ça dépend après si on est sur portable, pas portable, dans le plus, là où il y a les conversations et discussions. Ou sinon, c'est en bas de l'écran si vous êtes sur votre micro. En bas de votre écran, normalement, vous avez participants et conversés, conversations, échanges. Pour moi, ça s'appelle réaction. Avec réaction, un petit smiley. C'est ça. D'accord, bon, d'accord, un peu une réaction. Ok, super. Mais voilà. Ok. Très bien, c'est clair pour moi. Est-ce que d'autres personnes veulent lever la main ou en tout cas prendre la parole? Vous êtes invité à le faire, il n'y a pas de souci. Il y en a qui trichent, qui écrivent, Anita, on voit ça. J'ai une main. Estelle. Oui, merci. Bonsoir. Donc, je ne pourrais pas allumer forcément la caméra, mais je voulais réagir justement sur cette grande conversation donc, que je trouve vraiment très, 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 très enrichissante. C'est ma première. Et c'est vrai que bon, moi, je suis une jeune chef d'entreprise. Ça fait 5 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. Je suis dans le milieu de l'esthétique et c'est vrai que j'ai une vision différente, peut-être en tant que chef d'entreprise. C'est souvent ce que mes filles me disent. Donc déjà, j'ai un projet, j'ai ouvert un institut sur le tampon, un deuxième sur la possession. Et j'ai envie justement de mettre l'identité réunionnaise en avant. C'est souvent ce que j'ai envie de pousser. Donc déjà, cette valeur de l'identité réunionnaise, c'est quelque chose de très, très important pour nous à l'île de la Réunion, même pour les jeunes. Parce que je côtoie de plus en plus de jeunes, j'ai beaucoup d'apprentis, j'accepte beaucoup de stagiaires et je fais beaucoup de formations. Et le retour, en fait, de ces filles, souvent, c'est l'ouverture d'esprit, en règle générale. Et ça, c'est très important aujourd'hui dans les sociétés. Donc, on a une médiatisation de la technologie nouvelle qui permet, même depuis l'île de la Réunion et même dans le monde, à n'importe quel moment dans le monde, de s'enrichir de ça. Après oui, l'anglais dans l'entreprise, ça serait quelque chose, oui, tout à fait à percer. Donc moi, j'ai eu la chance de faire quelques formations entre-temps pour apporter ça. Et c'est vrai, quand je demande aux filles, elles me disent oui, ça serait intéressant. On a eu de plus en plus de touristes dans le secteur de l'esthétique et c'est vrai que beaucoup d'entre elles ont pêché à ce niveau-là. Donc c'est sûr qu'il y a quelque chose à faire. Donc dernièrement, j'interrogeais lors d'une réunion qui serait prête à faire de la formation, moi, quitte à former mes employés en cours pour se développer en anglais. Je trouve ça vraiment, ça serait un point supplémentaire. Donc moi, je suis prête à le faire. Pour l'international, donc oui, moi, ça serait mon rêve d'apporter corps à cœur justement déjà chez nos voisins, à l'île Maurice, à Madagascar, aux Seychelles et dans l'océan Indien. Donc j'ai eu la chance de visiter chacun de ces îles et même jusqu'aux Antilles et j'ai pu voir la différence. Donc souvent, tout à l'heure on parlait des Antilles, les Antillais souvent c'est moi-je et puis on est capable de tout, mais je pense qu'à La Réunion on est totalement capable de plein de choses. On a un enrichissement personnel, une culture, une paix, comme vous le dites aussi, qui est vraiment très, très intéressante et qu'il faut faire valoriser. Déjà, donc après, moi, en tant que chef d'entreprise, oui, c'est les lois. Donc, je me suis dit, bon, il faudrait que je m'intéresse à tout ça parce que c'est quand même des pays de type internationaux quand on voit quand même l'île Maurice avec ses propres lois. Donc, c'est des choses à apprendre. Donc, j'essaie de me pencher un petit peu dessus. C'est vrai qu'avec la situation du Covid, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est quelque chose que j'aimerais peut-être d'ici 2-3 ans développer ces sociétés dans l'île. Bon, après, j'ai un autre projet un peu plus fou qui est là sur la recherche, donc qui serait vraiment de créer un produit, une gamme de produits avec les marques réunionnaises, mais avec des personnes au niveau local, je dirais. Donc, c'est vraiment des artisans d'ici et chercher justement le trésor de la Réunion dans la cosmétique. Bref, ça, ce sera pour plus tard. Et ce que je voulais dire à ce niveau-là, je me suis perdue. au niveau de... Comment on dit ça
Au niveau de la solidarité et de tout ce qui est paix, c'est quelque chose, oui, qui est à faire concernant le prix Nobel, comme disait Madame Laurence tout à l'heure. C'est vraiment quelque chose à apporter en plus. Et l'idée peut-être de base pour tout ce qui est écologie, tout ce qui est vert et même tout ce qui est paix, c'est peut-être commencer déjà dans nos entreprises ici pour pouvoir donner l'exemple quelque part, parce que vous avez envie de projeter ça plus tard et d'arriver justement dans le Time News World, comme disait monsieur tout à l'heure, c'est peut-être déjà de faire ça au niveau local, peut-être mettre... beaucoup d'entreprises ont déjà commencé, hein, tout ce qui est déjà le tri en interne, tout ce qui est informatique, mais il y a une partie de l'île qui n'est pas encore peut-être à ce niveau-là. Et puis enlever déjà certaines frustrations au niveau local déjà, parce que beaucoup d'employés se sentent frustrés ou pas entendus ou pas compris. Donc là, après, je ne parle pas forcément de tous les chefs d'entreprise, mais il y a encore un manque d'écoute ou peut-être de mise en avant. Et là, peut-être à travailler déjà sur le local. Voilà pour ma part. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci Estelle. Merci beaucoup. En fait, j'arrive pas. Je ne sais pas comment on fait pour lever la main. Alors, à moins que, ouais. Est-ce que je... Ouais. Vas-y, Ophélie. Oui, en fait, moi, merci évidemment pour cette présentation et toutes les interventions. Mais il y a quelque chose qui me tient énormément à cœur dans ce qui a été dit. C'est le côté de la réunion ensemble, le vivre ensemble, oui, le travailler ensemble, tous ensemble, pour essayer de faire évoluer la réunion vers une meilleure et une meilleure... une meilleure version d'elle-même et j'ai hâte de voir comment on va pouvoir mettre ça en place parce que c'est ce que je crois qu'il y a parfois des petites querelles intestines au sein des acteurs locaux et c'est dommage et on y perd tous de l'énergie et si au sein de ce club TPE on comprend que et on se met en action pour pouvoir tous travailler ensemble et peut-être nous apporter un peu d'aide par-ci ou par-là, ça va peut-être faire avancer un petit peu les choses à notre niveau, à nous, et peut-être donner d'autres idées. Et voilà, donc c'est vraiment sur le côté ensemble. Peut-être qu'une fois, il y a une action qui est un peu mieux, un peu plus positive pour l'un, et bien la prochaine fois, ce sera pour l'autre. Et si on arrive à mettre ça en place, je pense que la Réunion et nous tous, habitants du territoire de la Réunion, on pourra que mieux s'en porter et les acteurs économiques encore plus. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Et comment tu te vois t'engager là-dedans et aider le club TPE? Bonne question. Après, c'est toujours la difficulté. Je crois qu'il y a eu quelques propositions là qui ont été faites. Moi, à mon niveau. En tout cas, de mon engagement personnel, je peux donner de mon engagement personnel. Après, sur mon métier, je suis pas sûre que, pour l'instant, en tout cas, il y a des projets qui soient complètement arrivés au bout pour qu'ils puissent faire l'objet de lobbying territorial, etc. Moi, je crois qu'au tout début de la présentation. Didier a bien parlé qu'il fallait avoir des projets qui rentrent dans le cadre du plan d'orientation de 2021-2027. Je crois qu'il faut commencer par se pencher sur ces choses-là. Après, le travailler ensemble et le vivre ensemble, je ne sais pas, il y a la réunion économique, ça me paraît un très bel outil qui a vraiment énormément porté ses fruits, je pense, il y a quelques années. Je ne sais pas s'il y a moyen, je sais qu'il y a des réunions de temps en temps, etc., mais je ne sais pas s'il y a moyen de rendre cet outil encore plus vivant et encore plus actuel. Non pas que, enfin, parce que j'ai l'impression qu'il se réunit que lorsqu'on a un ministre qui va venir ou le président de la République, je pense que c'est un organe qui mériterait peut-être d'avoir une vie, peut-être pas quotidienne, mais d'avoir des réunions au minimum mensuelles et des choses comme ça. Mais ça, c'est la volonté des acteurs à le mettre en place. Je crois qu'on a des beaux exemples d'interprofessions ou des fédérations qui essayent de travailler ensemble.
Je pense que c'est vers là qu'on doit aller. Après, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, parce que si un jour il faut défendre un projet, on va peut-être plus essayer de défendre un projet qui va aller en faveur de notre entreprise que celle qu'en faveur d'une autre. Mais je pense que c'est une vision à long terme qu'il faut défendre. Donc après, comment le mettre en place, je crois que c'est des actions de chacun petit à petit qu'il faut essayer de mettre en place. Je note la réunion économique. Je vais laisser peut-être Didier. Alors, pas Didier tout de suite, parce qu'en fait, je pense que je vois que les gens partent doucement, donc peut-être qu'on ne va pas trop traîner. Il y a juste Nathalie qui voulait réagir à l'intervention d'Estelle. Et ensuite, ce que je vous propose, c'est que peut-être que Didier puisse répondre un peu ou faire un retour, peut-être reparler aussi de la réunion économique. Je ne sais pas où on en est sur la réunion économique. Merci Ophélie pour cette intervention. Nathalie. Oui, bonsoir, je serai rapide parce que le temps passe. Je voulais rebondir doublement, effectivement, sur l'intervention d'Estelle, mais du coup aussi sur celle d'Ophélie, sur la notion de vivre ensemble. On a aussi un jeune auditeur qui est à la fois un objectif mais aussi un constat pour dire que voilà qu'aujourd'hui c'est aussi quelque chose qui est de plus en plus fragilisé et de prendre en compte le fait que voilà c'est pas un acquis de vivre ensemble, même si la Réunion et on est un fier représentant, ce vivre ensemble n'est jamais acquis et que voilà ça se travaille énormément. Pour la petite anecdote, de temps en temps je suis interviewée par la presse et les trois dernières interventions était sur la xénophobie et le racisme. Je me dis, mais j'aurais jamais pensé en parler à La Réunion. Donc voilà, donc d'où ce petit cri d'alarme. Le deuxième, il est beaucoup plus, j'espère, plaisant, c'est comment s'engager, tout ça. Alors moi, il y a un truc que je sais faire, c'est parler en anglais. Et je me dis souvent, parce que je suis bilingue, et souvent le format formation ne convient pas toujours à des chefs d'entreprise comme nous parce qu'on n'arrive jamais à le caler dans nos agendas, mais c'est aussi parce que le format formation, en fait, parfois entre l'écrit, l'oral, tout ça, c'est pas ce qui est le plus adapté. Donc, je me demande, je pose ça au président Romain Lefebvre, peut-être que ça peut être l'occasion d'avoir une session de temps en temps en anglais, tout bêtement. Ce qui fait qu'entre nous, avec beaucoup de bienveillance et la confiance s'acquiert, et il faut beaucoup de confiance parfois pour se lancer dans une langue. Alors je trouve que c'est une très bonne idée. J'avoue pas une grande expertise de l'anglais. Je pense que si je faisais une commission TPE, du club TPE, moi-même en anglais, je pense que les gens, par remarque, ça leur mettrait le moral, un baume au cœur, c'est qu'ils auraient l'impression de tous de parler super bien anglais. Mais en tout cas, oui, on peut imaginer, je note Nathalie, peut-être d'organiser peut-être sur des thématiques un peu peut-être internationales ou des sujets un peu plus internationaux. Je pense que vous êtes plusieurs à parler anglais, qu'on puisse avoir peut-être des présentations un peu en anglais. Ça nous changerait. Maintenant, il faudrait un anglais assez facile. Mais je pense certainement que je serai un président beaucoup plus. C'est le principe de la conversation. Oui, je ferai une conversation muette, mais ça me va bien. Écoute, c'est noté. Donc, est-ce que quelqu'un voudrait prendre une dernière fois la parole? Et puis sinon, je vais laisser peut-être Didier peut-être réagir s'il le souhaite. Je ne sais pas ce que tu en penses, Didier. Je crois que plus personne... Volontiers. Peut-être pour conclure, et puis après, on fera, voilà, peut-être conclure un peu ce que toi tu as retenu. Et puis après, on va conclure et puis on vous donnera rendez-vous dans un mois. Alors ça, Audrey nous en dira plus, mais je crois qu'on a peut-être déjà des dates. Mais voilà, peut-être Didier d'abord. Merci Romain. Tout d'abord, pour répondre à Ophélie, Réunion économique. Alors effectivement, Réunion économique a vécu ces belles années, effectivement, dans les années 2010. Mais il faut se rappeler que Réunion économique a bien fonctionné dès lors qu'il y a eu le projet. Et je pense que c'est un enjeu. Réunion économique aujourd'hui renaît de ses cendres. Ce n'est pas toujours très facile. Bon, on a souvent des avis divergents, mais ce n'est pas le plus important. On l'a élargi d'ailleurs récemment à l'UDP, qui est la troisième composante patronale représentative. Et je pense qu'un enjeu, c'est la raison pour laquelle on a MEDEF
et j'ai proposé lors de la dernière réunion de RECO de travailler sur ce projet, Vive la Réunion. Oh non, voilà, il y a quelque chose d'écrit, amendons-le, enrichissons-le, modifions-le, ce n'est pas très grave, ce n'est pas une propriété MEDEF, en fait. C'est juste la tentative aujourd'hui d'adhérents conscients de responsabilité et de l'avenir de ce territoire qui s'est mobilisé pour produire ce document. Et je pense que dès lors, effectivement, qu'on partagera une vision à long terme, avec des objectifs moyen terme, RECO retrouvera naturellement sa vivacité. Alors, aujourd'hui, RECO, même si elle ne se mobilise souvent qu'au travers de la visite de ministres, je prends l'exemple typique de l'année dernière, mois d'août, la visite de Sébastien Lecornu, l'ensemble des acteurs de RECO, y compris des acteurs sectoriels, s'est mobilisé globalement en moins de 72 heures. Le MEDEF a été un peu leader sur la rédaction du document final pour le faire circuler, etc., et le mettre en forme. On s'est mis d'accord sur le message apporté à la ministre, donc c'est tout à fait possible. Mais là, on avait un projet. Et donc, tout le temps que RECO, en fait, on ne partagera pas un projet et qu'on n'aura pas cette vision à un moment donné, ça va être super compliqué. On ne pourra parler que des problèmes. Parce que quand on n'a pas quelque chose de positif à faire, bon, on parle des problèmes. Donc ça, c'est RECO, et moi, j'ai bon espoir demain, effectivement, que RECO puisse partager notre projet et le porter de manière encore plus large sur l'ensemble du territoire et surtout à l'extérieur du territoire. Pour répondre à Nathalie, je suis complètement d'accord avec vous, ce vivre ensemble, il nous paraît naturel, mais on regarde ce qui se passe aujourd'hui, on l'a vu encore récemment dans la presse, il y a vraiment un travail de fond à faire en termes d'éducation auprès de nos jeunes, de nos adolescents, pour dire c'est quelque chose qui est précieux, c'est quelque chose qu'on a construit, c'est quelque chose qu'il faut préserver, et ce n'est pas quelque chose qui se fait naturellement. Il faut vraiment que chacun s'empare du sujet du vivre ensemble et le mettre en œuvre tous les jours. Sinon, effectivement, vous avez raison, le risque, c'est qu'il s'effiloche dans le temps et que finalement, ceux qui souhaitent justement qu'il n'y ait pas de vivre ensemble puissent gagner le matin, ce qui m'attristerait profondément pour ce territoire. Moi, ce que j'aurais retenu de cette séquence, c'est d'abord que ce projet, finalement, au travers des interventions, vous y adhérez. Vous avez envie, effectivement, aujourd'hui de vous impliquer dans cette diffusion. Je pense que c'est un élément extrêmement important. Je le disais tout au long de la présentation. Diffusez-le dans la sphère privée, dans la sphère professionnelle, dans toutes les sphères que vous pouvez fréquenter, parce que ça permettra d'embarquer, modifier, d'amender, d'enrichir ce document. Mais si dans un an on peut dire tiens, la réunion finalement on veut aller là tous ensemble, eh bien, je pense qu'on aura gagné notre pari. Voilà Romain. Merci beaucoup Didier. Alors je me permets juste de donner prochaine date parce que j'ai dit à Audrey est-ce qu'on le dit, mais je ne sais pas si elle m'a répondu, j'arrive pas à voir sa réponse. Oui, je suis là, non mais je suis là, je laissais parler le président. Mais j'ai cherché dans mon agenda. On avait dit 4 et 6 mai. Donc, selon que ce soit officiel ou pas, on a un souci, c'est que si c'est en visio, on en fera qu'un, évidemment, parce qu'en fait, sinon, c'est, vous savez, c'est 4 dans le nord et 6 dans le sud, ou inversement. Enfin, je ne sais pas dans quel sens on fait. Mais c'est vrai que tant qu'on ne peut pas se rencontrer physiquement, on fera peut-être qu'une seule rencontre, qu'un seul jour. Donc on vous tient au courant. Donc on tenait à vous remercier tous pour vos interventions, la richesse de vos interventions et puis de votre présence surtout. Et puis écoutez, on vous embrasse et on se dit à très vite. Si quelqu'un veut rajouter un dernier petit truc. Ouais, et je voulais juste préciser qu'en début de séance, j'avais rappelé qu'il y avait un fil WhatsApp spécial Club TPE. Donc les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous envoyer leur numéro, on les rajoutera. Et j'en ferai la demande dans le mail demain que j'enverrai ou lundi. Avec les slides de ce soir, le lien pour revoir la visio. Et en même temps, je demanderai aux personnes de nous donner leurs contacts s'ils veulent être dans le fil WhatsApp. Et est-ce qu'on a d'autres commissions qui se finissent bientôt ou d'autres visios peut-être à annoncer là, d'urgence où vous avez des... Demain, 13h, enfin demain pendant midi, il y a la commission sociale avec Philippe Maillard. Président de la sociale, l'intervention d'un avocat, et il y a la commission transition numérique jeudi prochain, 15, jeudi 15. À quelle heure? Numérique à midi et performance du dirigeant le 14 avril. Il y a la commission performance du dirigeant, bien-être du dirigeant. Performance bien-être, selon de bien-être du dirigeant.
Les invitations sont parties, chacun peut s'inscrire et on refera repartir les invitations. Les relances. Pour les relances. Okay. Eh bien, écoutez, super. Merci beaucoup. Merci au MEDEF. Merci. Il est tard. Merci à tous. Vous êtes encore au bureau. Merci à tous. Au revoir. On est fiers de vous. Au revoir. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Bonsoir.